Comment devient-on templier? Au Moyen Âge, pour être chevalier templier, il faut d'abord être chevalier et donc être adoubé. L'adoubement est une cérémonie au cours de laquelle un noble devient chevalier. Eux seuls ont le droit de porter le manteau blanc orné d'une croix rouge sur l'épaule gauche. Lors de la cérémonie de réception dans l'ordre, le maître frère pose une série de questions sur les devoirs du futur templier. Il se doit d'obéir au maître, de ne pas garder de propriété, de protéger les biens du temple, et le futur templier doit répondre par oui. Il donne tout ce qu'il a à l'ordre du temple. Il doit refuser le mariage et vivre avec ses frères, les autres templiers. D'autres règles de vie sont imposées au futur templier. Le maître de cérémonie dit ainsi. Il vous est interdit d'être parrain à un baptême, de pénétrer dans la maison d'une femme en couche, de permettre que des femmes vous servent, sauf dans le cas de maladie ou s'il n'y avait pas d'homme, et alors il vous faut l'autorisation de votre supérieur. Vous n'embrasserez jamais de femme, fût-elle de votre famille. Vous ne prononcerez jamais de mots grossiers, vous ne tiendrez jamais de propos déshonnêtes, vous ne jurerez pas par Dieu. En un mot, vous ne ferez rien qui ne soit de bon ton. Guillaume de Chambonnet, un templier emprisonné à Dôme, a été maître frère de plusieurs rituels. Il reçoit dans l'ordre Étienne des Clos, vers Noël 1304, Émery de Coupiat et Imbaud de la Boissade, sergent vers 1305. Mais il y a aussi un rituel bis qui a lieu après la sortie du maître. Des frères entraînent de nouveaux frères derrière l'autel de la chapelle pour lui commander de renier le Christ et cracher sur la croix, par exemple. Vers 1298, au cours du rituel faisant de Bernard de Villars un nouveau frère, Raymond de Mareuil de Villebois de Bourdeille aurait demandé d'omettre au cours de la messe les paroles de la consécration de la messe. Ceci est grave pour un chrétien. Les journées des Templiers sont ensuite organisées en fonction des prières. Que font-ils de leur journée ?